Donc, Bezrat Hashem, on continue le Shulchan Aruch, Siman Kuf Samer, Ilchot Netilat Yadayim. On en était au Seif Yud Gimel. Nous dit le Shulchan Aruch. Tzarich Sheyeh Bamaim Revi'it. Faut que dans l'eau, il y ait un Revi'it. Ça, c'est la base. Pour pouvoir faire Netilat Yadayim, il faut qu'il y ait Revi'it d'eau dans le Keli ou dans l'eau qu'on va utiliser en tout cas. Vanemile le echad. Si c'est mon utilise pour une personne, il faut qu'il y ait au moins un revit pour une personne. Avalishna im shebaou litol ke echad. Mais si il y a deux personnes qui viennent faire netilat en même temps et que au départ il y avait un revit, c'est suffisant même si après pour le deuxième il lui reste plus un revit. Acharon en tsarich va filou bezeh acharze, même s'ils le font pas sur la même en ils reçoivent pas l'eau en même temps. Mais ils le font bezeh acharze l'un après l'autre. Si l'eau yfsika kiloar ou bilvat chez l'eau yfsika kiloar, si l'écoulement et le versement ne s'est pas interrompu et directement là il a mis le remisima derrière, même s'il n'y avait pas de revit au moment où le deuxième il s'est lavé, c'est valable. Ketsad, il y a revit maim bikli ou pachat echad yadav ve acher yotsek al yadav. Il y avait au début un revit dans le keli, il y en a un qui a tendu ses mains et l'autre il lui verse sur ses mains. Ou bacheni ou pachat yadav le matamimene ou samour le yadarishon, il y en a un deuxième qui vient qui tend ses mains en dessous des mains du premier. Vekiloar yored al yado shel harishon ou le yado shel sheni shel matamimenu, et l'écoulement il tombe sur les mains du premier et après il découle sur les mains du deuxième qui est en dessous. Alors là les deux mains sont teorotes, yede shneem teorot. Ah, même si en réalité pour le deuxième il n'y a plus un revit puis qu'il y avait un revit au départ pile. Aval pi shepiret shiur revit ke shem magim le yadav shel sheni yadav teorot malgré tout puis le shem baim mishiur etara, on appelle ça hein, quelque chose qui vient hein, des restes d'une tara, c'est-à-dire qu'au départ, vu qu'il y avait un revit, donc c'est bon. Mishiure tara. Continue le Mishnah, le Shulchan Aruch. Maintenant, Veyesh Matirim, qui autorise même carrément à filou, que chez notre limze acharze, même si on fait l'un après l'autre, au ilou becha, chez itrila echad et tolmeh mayabaim revit, puisque au départ, lorsque un, c'est-à-dire que même si Sika Kidouar, Kanyere, il autorise cet avis-là. À partir du moment où, au moment où le premier il avait commencé, il y avait un revit, c'est suffisant. Gam la chenise et olim mipenecheba ou mishiuretara. Toujours le même principe de dire que ça démarre d'une quantité de revit. Valderze de la même manière. Notnim michatsilog, tu peux prendre en demi-log, donc deux revit. Pour trois ben adam ou les arba, ou milog, les kama ben adam. Kolzman shemaspiki mamaim lishpor kol echad al yadav shalosh peamim. Tant que tu peux verser sur la main trois fois. Pareil, ils peuvent mettre quatre ou cinq leurs mains l'un à côté de l'autre. Ose al gav. Devinitol kechad ulvat shiyarpu yedem binyan shiyagiu amayim le kolechad. De toute façon, ce que l'eau arrive sur chacun. On va voir un petit peu Mishnah Berurah doucement sur ce seif là. Donc c'est le seif de Shiur et Tahara. Nous dit le Mishnah Berurah. Chez Bamaim Revit, chez Ken Tiknou Chachamim Lentilat Yadayim. Les Chachamim ont été metaken que pour Lentilat Yadayim, il faut qu'il y ait un Revit. Veshofra Bishne Peamim Al Yadav. Et il le verse en deux fois sur ses mains. Voilà. Ça suffit, de pas Marichon, Mitera Yadayim Mubashnia, Mitera Maim Shalem. Au départ, premières eaux pour nettoyer, pour purifier les mains. Et deuxième eaux pour purifier les eaux qui ont été rendues Tmim par les mains. Non, vim, ça fait revit kula bebatachat al shteyadav. Et si lui, il a versé le revit entièrement en un coup sur ses mains. Alors, gam ken itarou yadav. Là aussi, les mains sont teorot. Av, shelo shafach ila bepamachat. Comme vous voyez, si on a coupé sa mère bête. Vechol ze bemakom she'en maim metsuim, s'il n'y a pas assez d'eau, avec même comme she'en maim metsuim, tov shitol beshefa, comme on a vu dans Siman Kouf Nun Chetsi Fiud, que celui qui lave ses mains beshefa, ça lui apporte le shefa bracha. L'Echad, ben shemotel al shte yadav, bebaet achat, on avait dit que ça marche pour un, qu'il le fasse en une fois, sur ses deux mains en un coup, ben shemotel al shte yadav, bebaet achat, par exemple, en mettant ses deux mains l'une avec l'autre, qui on a l'yede acher, shito l'alem, il y en a un qui vient et qui lui verse sur ses mains, ou alors, ou ben shemotel yadav, achat, achat, leolam sagi berevit, achat, bishte yadav, c'est suffisant un revit pour les deux mains. Miyu, il nous dit le Mishnah Berurah, afilu eno rotze litol rak yad achat, même si lui il ne veut faire des tilats que sur une seule main, il faut quand même qu'il y en ait vite. Kigon de aya yado achat teora mikva, il y en avait une qui était déjà propre.
Djatéora plutôt. Gamken, un livrot Michi Urevit. On ne doit pas utiliser moins qu'un Revit. On ne va pas dire, ah, il n'a qu'une seule main, donc pas besoin de Revit. Non, il a aussi besoin de Revit. Mais you, a filou enorotzelitol rakiado achad, qui grand chaya yado achad, ni voir, gamken, un livrot Michi Urevit, asefta bet Yosef. Venir et nous dit le Mishnah Moura. Pourquoi? Parce que Mishum Shebe Keli, c'est-à-dire le Revit Lolam. Dans le Keli, il faut toujours que ça démarre avec un Revit. Parce que moins que ça, ça peut, c'est pas le Shiur de Tara, de Bepachot en Shiur Tara. Comme c'est marqué dans le plus loin, on verra dans le Sif Dalet. Aval Aliyad Achat, en Tzer Lishpoch Otakula. Sur une seule main, t'es pas obligé de tout verser, puisque, à partir du moment où il y avait un Revit au départ, c'est suffisant. Il dit le Sharatiouna Inbet, Kenire, Deha, Leyad Achat, le Kula Alma, no Shofer, il a raté Revit tout le temps. Quand il a qu'un Revit pour les deux mains, bah, sur une main, il va verser qu'un demi-Revit. Mais prêt, il a un Beposkim, Gamash Teyadav, en Tzer Lishpoch Otakula Revit. Même sur les deux mains, après le Rov des potes, après beaucoup de Poskim. Pas besoin de verser entièrement le Revit, à partir du moment où au départ il y avait un Revit, ça suffit même pour les deux mains, d'après beaucoup de poskim. C'est-à-dire les tolmes Revit, Aïnou, Chiebekli Revit, ça suffit qu'il y ait dans lequel il y a un Revit. Ou les Kamé, on verra dans le Siman Kusamer Bet, Seif Dalet, que le Mishnah Moura va nous rapporter les paroles d'Acharonim qui disent que Yeshidin Ok Shelo, Livchot, Mishu Revit, Maim Ekol Yad Veyad, qu'il faut essayer d'être noyé comme ça, de ne pas mettre moins qu'un Revit par main. Ça, c'est le minag qu'il faut faire. Au moins, Bezel Oistar Lizaher. Il y aura beaucoup de choses qu'on va, beaucoup de problèmes qu'on va éviter par le simple fait de mettre un Revit sur chaque main. En tout cas, s'il y a deux personnes qui viennent faire des tirades en même temps, au départ, ils voulaient le faire en même temps pile. Mais la reine, c'est pour cela que même si Pachata Sheniado, Achar Shekvar Itrila Rishon Nitzokatmo, une fois que le premier a commencé à se verser, il a enlevé ses mains. Alors, Ola Nitzilagam, la marche, la Nitzilagam, elle est valable aussi pour lui, même s'il n'y a plus de Revit pour lui. Parce que c'est comme si ils sont notre lim shneem qui est chad, des avec et notre tel shneem yachad, et en mitamim zemize. Et donc quand les deux personnes qui se lavent les mains en même temps, ils ne seront pas tmeim l'un de l'autre. Avant imlo qui nous mitrila veyatzak rishon rakleatzmo. Mais si au départ ils n'ont pas eu la kavana et que le premier il veut faire une tchilat yadaim uniquement pour lui tout seul, alors dans ce cas-là il nous dit le Mishnah Brura. Ve'achar kar pashat hashini yadav afilu kodem shenifsak hakiluach. Et après, il y a le deuxième qui vient, qui met ses mains après, alors que le premier, au départ, il n'avait pas prévu de le faire pour les deux. Avec Imon Otel Bemerechit, ça travaille aussi comme si il utilisait l'eau sur laquelle son ami s'est déjà levé, lavé avec. Parce que c'est ça l'ambiguïté en réalité. Que d'une part, on te dit que si c'est de l'eau qui est déjà utilisée par son ami, bah, tu ne peux pas utiliser l'eau Merechit, ça travaille. Mais d'un autre côté, on te dit que s'ils le font en même temps, c'est valable. Donc le principe, c'est que ce soit fait en même temps. Il faut qu'il ressuie les mains, il enlève l'humidité des mains et qu'il repasse les yadim. Comme on expliquera ça, il rattache dans le Shiman Kuf Samerbet, c'est Yves Dalet. Acharon, en tzerich, nous dit le Mishnah Brura, Vedavka, Kshiagiou, Amaim, Aliadav, Saviv, Kol, Shiur, Anetila, Shebeyadav. Il faut vraiment que l'eau atteigne toutes les parties de sa main qui sont le Shiur, Netila, comme on verra. La Flou Bedachardé, c'est le Mar, l'homme, Bayak, Shepachtou, Yedem, Bebatachad, Zitachadze. C'est vadaï que s'ils ont mis les mains l'une en tout l'autre en même temps, c'est vadaï que c'est bon. Demane à Netila, l'Ishnem, c'est sûr que c'est bon. La fille, ou une pachata chéni, yadavachar, car keshekvarit, rilitzok à la richon. Mais même si le deuxième, il a mis ses mains en dessous du premier, après que le premier ait déjà commencé à verser de l'eau sur ses mains, Altalon Netila, qui va chimitrila, qui nous est lasé, yachar, puisqu'au départ, il avait l'intention de le faire ensemble, et que c'était prévu que les deux se fassent Netila, yadaïm avec ses mêmes os. Donc c'est valable. L'Oyafsika Kiloar va lier des Khajwinan Kilunatal Gamasheni Mirevich Lema, ça s'appelle comme si que le deuxième aussi, vu qu'il n'y a pas eu de F-Sec dans le Kiloar et que c'était en même temps, c'est comme si que le deuxième, il a fait Revit de Revich, il a fait Netilatiadaim de Revich Lema. Mi Pene Shebaou Amaim, Mishiure Tara, Ekelu, Vechule. Donc chez l'Oyafsika Kiloar. Enfin, vas-y. Ben Shembaï, Mishiure Tara, et qui nous est l'archoc qui est notel Mirevit, allié des Chibur Anitsov. Donc, le fait que c'est rattaché, on considère que c'est comme si qu'ils avaient fait tout sur un Revit. Samour, Ve'at, Rashminan, Beyak, Kiyadachat. Le fait qu'ils soient l'un à côté de l'autre, on considère que c'est comme si c'était une seule main. Mais s'ils sont Merouchakim, avec Kemon, Notel, Bemerechitsa, Travero, et donc ça, c'est pas un problème, tu ne veux pas faire Nitsa Tadaim de cette manière-là. Il y en a qui autorisent, même si Notlim, Zeacharze, puisqu'au départ, ils l'ont fait avec l'intention de se relever les deux. Au départ, mais ils avaient quand même l'intention de le faire au départ. Donc, puisque chacun fait une à part, ça marcherait quand même d'après lui, puisqu'au départ, il avait prévu. Bien entendu,
Et la Dachini, Imti, Inachita, la Richon. Le deuxième, il a attendu que le premier fasse terminer Tila Tchadaïm. Donc lui, il lui reste en demi-révite et il le réutilise. Aval Ksheba, Sheni, Acharzman, Loman, Lifrot, 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 Mishir, ou Révite, Aliedeze. S'il vient après, bien entendu, tu ne peux pas utiliser moins qu'un Révite. Alors on avait dit que d'après cet avis-là, Gam, la Sheni, Zé, Olim, Ipene, Shebo, Mishir, Etara. Il explique comme je t'envoie que Achle, Dazot, Sarikha, Richon, Lishpok, Aliedav, je t'ai permis. Dans ce cas-là, il faut se verser sur les mains deux fois. Les tzamtzem benetilato pour ne pas qu'ils mettent un révite d'un coup. Kede sheisher gam la sheni shiur kede shiurchal toet yadav. Machen ken et darishona atzer sheishpoch harishon kol harévite maïman yadav. Dans d'après le premier avis, et qu'ils mettent entièrement un révite pour que tout arrive en même temps. Mais shadatra qui est justement laquelle kede azou deudat arbe poskim veut dire que c'est possible de le faire en deux temps comme il a dit dans le bouyur à la fin. Ah, tu dis valder erze, on peut faire même carrément khatilok pour 3 personnes, 4 personnes. Rotselomar, Shemutar, Litol, Ze, Acharze, Afiloube, Kamanashim. Pour la raison qu'on a cité plus haut, Khatilok, Lishlosha. Après, il n'a pas dit Revit, Vim Domar, Kevan, et Revit, Sagelish, Naïm, Imken, Revit, ou Merza. Sagelishlosha, ça suffit un Revit et demi, pourquoi tu dis 2 Revit? Rotselomar, Khashouk, Khamim, puisque Nefiche, Gavre, Loïdak, Dekou, Yafé, Litol, Adapereg. Donc c'est possible que vu qu'il y a beaucoup de monde, ils vont pas faire attention de se laver. Adapérec. Et donc, ça risque de ne pas, pas laver entièrement la partie qu'il faut. Chez Kolechad, il y a Tsamtsemamaim, chez Shirel Khaviro, la reine a souri Mirevit ou Merza. Mais diabad, il y a Tsamtsemamaim, Mirevit ou Merza. Tu pourrais lui tolérer Shinea Haroni, Mirevit Anishar. Mais alors, si le premier il a fait un demi-revit, le Revit Anishar, il sera valable pour les deux suivants. Shalosh Peamim, alors il te dit que dans un cas où il y a 4-5 qui ont leur main, Revit Sadze, ils peuvent le faire au bilvat chez Rapou, Benyan Chagui ou Amin Kolechal. Shalosh Pamim, c'était quoi ce qu'il avait dit le Mishnah Berurah? Le Shulchan Aruch ici avait dit que Kol Zman Shemaspikim Amayim Lishpoch Kolechal Al Yadav Shalosh Pamim. Alors dans le tour il y a marqué Shte Pamim. Parce que Karan Etila, Mishum Tara, c'est Shne Pamim. Rak, il Meshalem Lichlou, Chachotzet, faut enlever avec une troisième fois. Tzarich Pam Achad Mikodem pour enlever le Lichlou et après les deux autres fois nécessaires. Et bien ça, c'est bien entendu, c'est bien dit, en se touchant, ils ne se rendent pas tmeim, puisque Koulam, Keyad Achat Rachivé, comme dans Simon Kotamir Bazi, il fait. Ça suffit, Bebegam, Keyad Bereviit, Lishnaim, ou Bechat Silog, Lishlosha, Verba, ou Beofen, Ashvicha, Deolé, Hachamash, Biotek Maïma, Koulam, donc il verse comme ça sur tout le monde. C'est Mistabra, de Darishona, Makelet, Gam, Ken Bezé. Ose, Al-Gavze, ou l'homme par-dessus, ou l'homme Rinan, Denit Meoua, Maïm, Miyado, Sharishon, des Koulam, Keyad Achat Rachivé, c'est considéré comme une seule main, donc c'est pour ça que c'est valable. On va donc Bedrat Hashem, on reprendra bien au prochain Shiur, c'est If Yud Dalet, monsieur Tadishman.